office for lease. Ils sont en train de louer des emplacements pour en faire des bureaux. Des emplacements pour les gens qui veulent ouvrir leur petit business, qui veulent un bureau. Par exemple, c'est ça, il y a des bureaux d'environ 4 mètres sur 2,5 et d'autres bureaux d'environ 15 mètres sur 5 qui sont en train de louer. Je sais qu'il y a des... Si on regarde par exemple ce premier bureau d'environ 15 mètres sur 10, je crois que ce sont des nutritionnistes. Amanda Wellness Center. Ici nous avons un salon de coiffure. Mel's Hair Braiding. Je crois que ce bureau aussi de 15 mètres sur 10, il est loué à 1 500 $ le mois. Ici nous avons un autre salon de coiffure, salon Mimi. Et puis là nous avons quelque chose qui est disponible. Disavailable, c'est disponible. Je crois que c'est des grosses opportunités. Et c'est quand nous avons les petits bureaux de 3 ou de 5 mètres sur 2,5 qui coûtent. Nous avons aussi des petits bureaux de 3 mètres sur 2 qui coûtent 200 $ comme vous voyez. Bien sûr, ils vous donnent l'internet wifi gratuit. Vous ne payez pas pour la lumière, vous ne payez pas pour le nettoyage. En fait, vous payez vos 200 $ comme vous avez vu là. Vous entrez, si vous avez une table, une chaise, vous commencez à faire vos activités. Si vous êtes par exemple, avocat, vous avez besoin d'un bureau pour recevoir vos clients. C'est un endroit pour venir. Si vous êtes, par exemple, conseiller familial, comme il y a, je crois, au moins une personne ici qui est conseillère familiale. Elle conseille les familles, les jeunes. Donc ça s'appelle Independence Plaza. Ok, il y a de l'espace pour le parking ici. C'est très intéressant. Voilà. Je suis en train d'aller au supermarché. Il y a un supermarché ici dans le pays ici qu'on appelle Walmart. Les gars ont gagné le marché de tous les supermarchés ici. C'est-à-dire, ils sont moins chers. Ils ont pratiquement tout ce dont les Américains ont besoin. Et ils sont partout. Et c'est le plus grand employeur de tous les États-Unis actuellement, Walmart. C'est-à-dire, et ils payent également les salaires les plus bas sur le marché. Généralement, ils payent le minimum qui est de $7.25 dans l'état de la Caroline du Nord, si je ne me trompe pas. Mais, comme je vous ai dit, ils sont, c'est-à-dire le premier employeur dans ce pays. Bon, on va aller à l'intérieur. Ok, on entre dans je suis en train de chercher les rallonges. Alors, les rallonges, je sais que je vais trouver ça de quel côté. Comme vous voyez là, c'est les magasins Walmart. Et les Moulinex. Ils vendent tout. Couverture. Même les oreillers.
oreillers, ça coûte combien est-ce qu'ils vendent ceux-ci? Quoi le prix? $4.96. Ils vendent pratiquement tout. Cet écran plasma coûte $698. Ils ont réduit de $100. Marque Philippe. How was it? Hello. How are you? Good, thank you. Please, I'm looking for power strip and stuff. Quartz? Yeah. They have on that wall back there in the corner. Yep, thank you. Back in all the corner. All the way down. Where? All the way down in the back. Ah, thank you. Ok. Voilà, nous ressemblons plutôt les... nous y voilà. Oh, ça blague pas, hein. Ils ont toutes les sélections. Des plus chers au moins cher. Bon, le moins cher souvent cher comme on dit. Donc, fais un peu le tour. Ici, il y a ce qu'ils appellent les tools. Ce petit manteau. Ils ont les boîtes à outils. Les DVD. DVD, $5 pour les DVD. Puisque je suis ici, laissez-moi faire un peu le tour, essayons de vous montrer quelques petits trucs. C'est la rentrée ici, hein, un sac de place, $12. Les habits des femmes et des enfants, $4. Oh, la particularité de cet état, c'est que les élèves portent la tenue, donc la tenue des élèves. Poussette, stroller, ça ce sont les couches pour les jus, $1.94, la bière Corona, ça c'est la bière mexicaine très consommée ici. C'est un peu comme la Castel. Les vins, d'autres bières. Les jus, regardez-moi ça, $1.48 ici. Les canettes. Hello. Oh, encore des jus, moins $1 pour 2 litres. Ok. On est dans le rang, on attend pour aller payer. Mon allongeur et puis $10 ici.
au niveau des petits dollars. Petits dollars. Voilà. On va payer. Ça ressemble plutôt au pistache. Ils font griller ça et puis ils salent ça et puis c'est comme des coupes famines, des coupes fins qu'ils mangent comme ça, comme des chips. La caisse. Hello. Hi, how are you? Good, thank you. Out of 10, Subway sandwich. China Buffet. On va essayer le buffet chinois aujourd'hui. L'entrée du buffet, l'entrée du restaurant. Du poisson. Champignon. Poulet frit. Très bon. J'aime bien ça. Hein? Oh.